Eh bien, bonjour. Donc, Maurice Laville, je suis néphrologue, pardonnez-moi, je suis néphrologue adulte au CHU de Lyon, mais bon, comme vous le savez, la maladie rénale génétique, ça nous concerne aussi très directement et en tant que néphrologue adulte, aussi bien pour la prise en charge spécifique que le traitement, le suivi de la maladie rénale chronique et le cas échéant, la préparation au traitement de suppléance. Donc, comme nous avons une très belle journée avec de magnifiques intervenants, je vais demander à Claire Fouteille-Noble de venir nous parler du don du rein dans les maladies rénales génétiques. Donc, voilà, je vous passe les micros. Donc, bonjour à tous. Quand nous avons élaboré le programme avec l'association AIRG et Pierre Cochin, il est vrai qu'il y avait certains thèmes qui nous tenaient à cœur, et en particulier le don de rein dans les maladies rénales génétiques. Alors, il s'agit bien du don de rein et non pas du prélèvement de rein et des greffes dans les maladies rénales génétiques. Donc, il s'agit bien du donneur vivant. Donc, juste un rappel pour vous préciser où en est-on de la greffe de donneurs vivants en 2017. Eh bien, c'est 576 greffes de donneurs vivants, soit 16% de la totalité des greffes qui ont été effectuées l'année dernière, avec une augmentation de plus de 60% depuis 2012, mais qui tend cependant à stagner depuis 2015 et 2016. L'âge moyen des donneurs augmente. Il est vrai qu'on retient comme candidat à un don des patients de plus en plus âgés, donc 51,5 ans, alors que l'âge moyen des donneurs prélevés à partir des donneurs cadavériques est de 53,5 ans. Et 576 greffes, c'est déjà beaucoup, mais l'objectif théorique pour 2021 serait d'atteindre un nombre de 2000 greffes par an, et vous verrez la quantité de travail sous-marin que cela représente. Alors, on est content d'avoir 16% de greffes de donneurs vivants, cependant, quand on le rapporte au nombre d'habitants, 9,8 par million d'habitants, cela classe la France seulement au 9e rang, et l'Agence de biomédecine qui essaye de promouvoir ce type de greffe, comme nous tous, s'est penché sur les raisons ce classement, disons, modéré, et a fait toute une analyse. Et ce qui ressort pour nous en termes d'analyse logistique et non pas en termes de motivation de la part des patients, c'est qu'il y a une durée du parcours qui est un peu longue et un taux de prélèvement de 40%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on fait en moyenne 2,6 bilans de donneurs pour retenir un donneur qui va être prélevé. À Lyon, par exemple, c'est 3 bilans pour retenir un donneur, ce qui fait une charge de travail importante. Et par ailleurs, il existe des obstacles, enfin des obstacles, c'est pas des obstacles, mais disons des difficultés dans les équipes pour pouvoir suivre et faire autant de greffes de donneurs vivants qu'on pourrait le souhaiter. En particulier, ce qui a été relevé dans les équipes, c'était la disponibilité des chirurgiens, des anesthésistes, des néphrologues, la durée et les délais donc, pour réaliser des examens en amont, et donc tous les leviers et facteurs d'amélioration ont été analysés, et je vous dis qu'il y aura encore beaucoup de travail pour atteindre 1000 donneurs vivants en 2021. Alors, toujours à partir des données de l'Agence de biomédecine, vous savez que les lois de bioéthique ont été changées en 2011, et sur cette dernière année, on note que 62% des donneurs étaient génétiquement liés, avec une majorité de donneurs parmi les collatéraux, donc dans la fratrie, ascendants directs, donc parents, 24%, et puis des descendants et des collatéraux indirects dans un pourcentage beaucoup plus faible. Parmi les 28% de donneurs qui étaient génétiquement non liés, eh bien, le conjoint représente 27,5% des donneurs, et les personnes pouvant justifier de 2 ans de vie commune, 3%. Et les personnes ayant un lien affectif étroit et durable depuis plus de 2 ans, ce qui a été, je veux dire, la nouveauté de la loi bioéthique depuis 2011, 7%.
Donc ceci pour vous tracer un peu l'épidémiologie des donneurs vivants en France. Alors l'avantage d'une greffe à partir d'un rein de donneur vivant, eh bien je le rappelle, c'est d'abord d'avoir un délai d'attente moindre, voire au mieux une greffe préemptive, c'est-à-dire avant la dialyse. La médiane d'attente pour les patients qui sont inscrits sur la liste d'attente, non pas pour les donneurs vivants, mais pour globalement, elle est de 31,3 mois, et bien plus importante pour des patients qui sont du groupe sanguin O ou B, ou pour des patients immunisés. L'indice de pénurie, alors c'est un mauvais terme, j'ai mis entre guillemets, puisque la pénurie, on n'est pas dans une dynamique commerciale, en fait, c'est la discordance entre l'offre et la demande. Eh bien, pour la totalité des patients qui sont inscrits sur la liste d'attente, qui étaient encore inscrits au 1er janvier, on avait 13 431 patients inscrits, et ce qui représente 4,9 candidats pour un greffon. Et simplement, on a beaucoup de patients qui sont sur la liste, qui sont en contre-indication temporaire pour des raisons diverses, il y en a 43%, ce qui fait que réellement le rapport entre l'offre et la demande est finalement un petit peu plus favorable, puisqu'on a deux candidats pour un rein, mais ceci reste encore malheureusement beaucoup trop, ce qui justifie en partie l'énergie qu'on doit avoir pour essayer de organiser un rein à partir d'une arrivée. Donc, meilleure qualité du greffon, parce que le donneur a un bilan absolument complet sur lequel je ne reviendrai pas. Et puis, la survie du greffon, ceci reste toujours valable en 2016, où la survie à 10 ans est 15% supérieure dans le cas de greffe de donneur vivant à celle que l'on a pour une greffe à partir de donneur cadavérique, et plus 17% à 5 ans. Donc, ceci vous rappelle, je veux dire, la justification, disons, d'une greffe à partir de donneur vivant. Alors, en ce qui concerne les néphropathies causales, et en particulier pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les maladies d'origine génétique, on a, au moins pour les adultes, une grande majorité des patients qui sont en insuffisance rénale, qui arrivent en insuffisance rénale pour un diabète ou pour une néphropathie vasculaire, une hypertension artérielle. Et la liste que vous voyez ici en caractère gras est la liste des maladies rénales génétiques des patients qui arrivent en insuffisance rénale, et ceci constitue environ 10% des patients qui arrivent en insuffisance rénale terminale. Donc c'est relativement faible, c'est relativement faible, mais c'est important. Alors le don de rein dans la néphropathie héréditaire, on est confronté à un dilemme. D'une part, protéger le donneur, c'est-à-dire ne pas risquer de le voir arriver en insuffisance rénale dans quelques années, et donner un rein de qualité au receveur. Alors pour le donneur, quelles précautions devons-nous prendre? Eh bien, c'est évaluer le risque à court terme et à long terme. La morbi-mortalité opératoire est faible. Le problème, si vous voulez, la question qui se pose dans le contexte de maladies rénales génétiques, c'est ne pas prélever un rein chez quelqu'un qui aurait la même maladie, ou quelqu'un qui a déjà une insuffisance rénale, ou quelqu'un qui va développer une insuffisance rénale. Alors dans ce contexte-là, il faut rappeler que globalement, il y a plus d'insuffisants rénaux dans l'entourage de patients qui ont une insuffisance rénale, quel que soit le type de la maladie initiale, qu'il y a plus d'insuffisance rénale chronique à 15 ans au cours de la vie chez les donneurs vivants, et ça, je crois que c'est un point, on ne peut pas, passer et faire une information non éclairée, ce qui veut dire, qu'on verra tout à l'heure, il faut absolument un suivi au long cours pour tous les donneurs. Et ce risque, le relatif, est donc de 7 d'insuffisance rénale au cours de la vie. Et il y a également plus d'insuffisance rénale chronique terminale quand on prélève un donneur vivant apparenté par rapport à un donneur vivant non apparenté. Donc ces trois lignes, même si elles sont un peu péjoratives en termes de communication, sont importantes à connaître parce que ceci justifie tous les efforts qu'on doit faire pour organiser le suivi des donneurs au long cours. Alors, est-ce qu'il existe un risque de récidive sur le greffon? Oui, certaines maladies vont récidiver et c'est important d'en donner l'information, aussi bien au receveur qu'au donneur. On va le voir en détail tout à l'heure. Et puis, le dernier point, c'est quand faire un test génétique chez le donneur qui ne serait inutile si le donneur, pas très utile en fait pour le donneur, qui pose également des problèmes éthiques. Mais dans le contexte du don, on peut être amené à faire un test génétique chez le donneur pour s'assurer qu'il n'est pas porteur de la maladie. Pour le receveur, le but c'est de ne pas recevoir un rein porteur d'une maladie potentiellement évolutive et évidemment le risque de récidive.
Alors, je vais balayer les maladies les plus fréquentes que vous allez voir en atelier tout à l'heure, notamment la polykystose autosomique dominante, qui est la maladie donc héréditaire la plus fréquente, au moins chez l'adulte, qui est donc autosomique dominante, pour laquelle le diagnostic se fait essentiellement par l'examen clinique et l'échographie à l'âge adulte. L'étude génétique est rarement demandée, et on verra tout à l'heure, sauf dans le cas d'essais thérapeutiques. Mais comme c'est une maladie à révélation tardive, on peut être amené à faire des tests génétiques pour s'assurer qu'avant 30 ans, le donneur n'est pas porteur de la maladie. Alors je vous rappelle les recommandations qui ont été faites par l'Agence de biomédecine avec un collège d'experts en 2009, où il était contre-indiqué pour un donneur de donner un rein s'il était porteur de la maladie, bien sûr, et s'il y avait des antécédents familiaux, s'il y avait des antécédents familiaux de polykystose, sauf si l'échographie est normale chez un jeune depuis 30 ans. Vous verrez que la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et en 2009, je veux dire, plusieurs articles sont apparus pour savoir quand est-ce qu'il fallait faire un test génétique pour un donneur qui va donner donc un receveur porteur de la polykystose, une polykystose autosomique dominante. Et on voit que dans ce papier où ils ont proposé des tests génétiques, eh bien, on avait par exemple deux donneurs vivants jeunes pour un receveur qui avait lui moins de, pour un receveur qui était jeune également. Et donc ces deux donneurs vivants étaient jeunes, avaient moins de 25 ans, et pour retenir, l'échographie était normale, ce qui ne veut pas dire que le donneur ne va pas développer ou n'est pas porteur de la maladie avant 30 ans. L'identification de la mutation a été effectuée chez le receveur, cette mutation a été recherchée chez les deux donneurs qui n'avaient pas de cette mutation, et le bilan donneur a été possible. Pour d'autres, une autre patiente, une sœur de 45 ans, qui se proposait pour son frère de 36 ans, qui lui était porteur d'une maladie, d'une polykystose autosomique dominante, mais sans antécédent familial, eh bien, on fait donc l'examen, enfin l'IRM, on trouve trois kystes sur le rein droit chez la sœur, pas de kyste à gauche, qui invalide, enfin qui pose le problème de l'étiologie de cette maladie. Et la donneuse était tout à fait réticente à donner, sans qu'on aille plus loin, sans la rassurer sur l'absence de maladie, sans qu'on puisse lui affirmer qu'elle n'était pas porteuse de cette maladie. Eh bien, on trouve une mutation d'un PKD1 chez le receveur. La donneuse est indemne de la mutation et on a pu procéder donc, au bilan de la donneuse. Et enfin, le troisième exemple, un homme de 35 ans veut donner à son père de 73 ans. Lui, il n'a pas d'antécédent de polykystose, ce qui est un peu curieux. Le donneur, on trouve trois kystes à gauche et pas de kystes à droite, et on se pose la question de savoir s'il s'agit bien d'une polykystose autosomique dominante, déjà chez le père. Donc on est amené à faire un test génétique chez le receveur, qui trouve multiples variants de signification inconnue, mais pas de mutation associée à la polykystose autosomique dominante, et ne connaissant pas la signification de ce variant génétique que l'on retrouve également chez le donneur, finalement le bilan n'a pas été effectué. Donc vous voyez que dans certains cas, on peut être amené à aller beaucoup plus loin dans les tests génétiques. Donc le test génétique dans le cadre de la polykystose autosomique dominante, qui ne sont pas la majorité des cas, mais qui peuvent nous poser des problèmes, c'est un, faciliter l'évaluation du donneur potentiel avant 40 ans, puisque c'est à ce moment-là qu'on peut avoir la présence de kystes dont la signification est inconnue, identifier la nature d'une maladie kystique et ses conséquences sur le don, et augmenter, on peut augmenter potentiellement le nombre de greffes à partir de donneurs vivants si on est rassuré sur l'absence de polykystose chez le donneur. Et après, je pense que c'est Pierre abordera ce problème plus tard, mais ça peut être éventuellement la difficulté psychologique de trouver une mutation chez quelqu'un qui est complètement asymptomatique avant 40 ans et qui ne l'avait pas demandé. Alors un point qui est souvent soulevé dans le cadre de la polykystose autosomique dominante pour un receveur qui est candidat à une transplantation, c'est le problème de la néphrectomie avant greffe. Certes, on inscrit 39% des patients avant le stade de dialyse. Le problème dans la polykystose, c'est qu'on peut être amené à proposer une néphrectomie pour faire de la place, pour pouvoir placer correctement le greffon dans la fosse iliaque droite ou gauche. Et ces critères sont soit cliniques, soit radiologiques. Le problème qui se pose, c'est à quel moment faut-il faire cette néphrectomie?
soit elle est effectuée avant greffe, mais il faut donc attendre que le patient soit en dialyse, ce qui veut dire qu'on l'a bien inscrit d'une façon préemptive, c'est-à-dire avant la dialyse sur la liste, mais qu'il ne pourra pas recevoir de greffe préemptive. L'autre possibilité, c'est de faire la néphrectomie au moment de la greffe, ce qui est fait dans de nombreuses équipes chirurgicales, notamment aux États-Unis. La seule chose, il faut que ce soit fait par des équipes entraînées, puisqu'on a là le risque de la néphrectomie, puis le risque de transplantation en même temps. Alors, comment se passe cette néphrectomie? Soit par voie classique, parce que les reins sont volumineux, soit par voie celluloscopique, et ça a été fait notamment à Lyon, soit une autre technique qui n'est pas vraiment une voie chirurgicale, c'est la possibilité d'emboliser le rein volumineux pour essayer de réduire sa taille, mais il faudra attendre au moins 3 mois avant de pouvoir statuer sur une réduction de volume significative permettant la greffe ultérieure. Alors le choix du donneur n'est pas uniquement génétique, et je vous ai mis là un cas clinique, j'allais dire concret. Une patiente de 48 ans qui est en insuffisance rénale pour une polykystose autosomique dominante de transmission paternelle, candidate à une greffe rénale, et elle vient en consultation accompagnée de son mari. Elle a un groupe sanguin O, n'a pas d'anticorps anti-HLA, elle a 2 enfants de 18 et 22 ans. Son mari est âgé de 52 ans, se propose comme donneur, il est de groupe O positif, comme sa femme. Et on est également contacté par plusieurs membres de la famille, son frère Alain, 2 sœurs, Isabelle et Christine, et sa maman qui souhaitent avoir des informations sur la possibilité de donner. Donc Alain a 38 ans, il est de groupe sanguin O, il a eu une échographie rénale il y a 1 an qui ne montrait pas de kystes rénaux, lui-même a 2 enfants. Isabelle, 35 ans, a 4 kystes sur les 2 reins, donc malheureusement, on suppose qu'elle est atteinte d'une polykystose autosomique dominante. Elle-même a 3 enfants. Christine, donc la sœur plus jeune, qui n'a jamais eu d'échographie rénale, est âgée de 23 ans. La maman de la patiente a 68 ans et se propose également comme donneuse. Elle est de groupe sanguin A positif et son échographie ne montre pas de kyste. Voilà, donc je vais vous poser, vous me laisse réfléchir 1 minute. Vous n'avez pas de pointeur, mais je ne vais pas faire de test, c'est simplement pour vous sensibiliser, je vais dire, aux questions. Son mari, est-ce que son mari ne peut pas donner car ses enfants sont trop jeunes? Le frère ne peut pas donner car il se réserve pour ses enfants quand ils seront plus grands. Sa plus jeune sœur peut donner si l'échographie rénale ne montre pas de kyste. Sa maman est trop âgée pour donner. Sa maman ne peut pas donner car elle a un groupe sanguin incompatible. Bon, on y va, c'est bon? Alors, son mari ne peut pas donner car ses enfants sont trop jeunes. Non, parce que... pour 2 raisons. En fait, ce n'est pas une raison, j'allais dire, c'est un peu carpe diem. Soit le mari décide d'améliorer, je veux dire, la qualité de vie globalement de la famille et du couple en se proposant, en donnant. Il faut s'assurer, entre mari et femme, qu'il n'y a pas d'anticorps anti-HLA préformé chez la receveuse, puisqu'elle a eu des grossesses et que c'est un mode de formation des anticorps anti-HLA. Et puis, donc le mari, stratégiquement, peut hésiter entre donner maintenant à sa femme ou bien se réserver plus tard pour donner à ses enfants s'ils sont atteints de la maladie, mais on ne saura pas de façon ferme avant 30 ans, sauf si on faisait une recherche génétique chez les enfants, ce qui n'est pas éthique actuellement. Donc il faut tenir compte des avancées thérapeutiques pour ralentir l'évolution de l'insuffisance rénale chez les enfants, sachant qu'il y a plusieurs essais thérapeutiques qui permettent de retarder l'apparition des insuffisances rénales, et que si les enfants ont besoin d'une greffe ultérieurement dans 20 ans, le père sera peut-être trop âgé ou pas forcément en état de donner à ce moment-là. Donc il faut vraiment raisonner en termes de bénéfice familial du don dans ces cas-là. Et je veux dire ne pas voir uniquement le risque génétique. Pour la deuxième proposition, le frère ne peut pas donner car il se réserve pour ses enfants. Et donc là, vous avez vu que le frère n'était pas atteint, donc la maladie, les enfants n'auront pas la maladie si le donneur n'est pas atteint. Donc ce n'est pas une raison pour ne pas donner. Sa plus jeune sœur peut donner si l'échographie rénale ne montre pas de kyste. Non, puisque avant 30 ans, voire 40 ans, l'absence de kyste n'élimine pas la maladie. Et si vraiment elle voulait donner, il faudrait faire un test génétique du donneur, mais également du receveur pour localiser la mutation. Sa maman est trop âgée pour donner, non. Alors vous avez vu qu'on augmente l'âge des donneurs d'année en année,
et qu'il n'y a pas de l'âge limite pour donner, mais que c'est bien la fonction rénale et l'absence de comorbidité qui vont autoriser le don. Enfin, sa maman ne peut pas donner car elle a des groupes sanguins incompatibles. Non, puisqu'on a des possibilités de greffe en ABO incompatible et de dons croisés qui permettent d'effectuer des greffes en situation d'incompatibilité au moins ABO. Donc les greffes ABO incompatibles sont effectuées depuis déjà un certain temps. Les premières ont été effectuées en Belgique. Et depuis 2004, on a 242 greffes qui ont été effectuées en France. Et les dernières statistiques montrent 74 greffes ABO incompatibles en 2016, avec une survie du greffon qui est tout à fait identique à celle que l'on a en situation de compatibilité. Donc ce sont des données plutôt encourageantes pour pouvoir autoriser ce type de don. Ceci dit, pour le receveur, il faut avoir un traitement immunosuppresseur avant la greffe qui est relativement lourd, avec des échanges plasmatiques, des injections d'anticorps anti-CD20 et un traitement immunosuppresseur un peu lourd avant la greffe. Mais enfin, on pourra en reparler tout à l'heure. L'autre possibilité, c'est le don croisé. Donc le don croisé a été accepté, je veux dire, enfin, a été autorisé en France depuis la loi bioéthique en juillet 2011. Donc il consiste à échanger des greffons entre deux paires de donneurs et receveurs qui sont soit ABO soit HLA incompatibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que la greffe se passe de façon simultanée. C'est le greffon qui voyage et non le donneur. Donc jusqu'à présent, c'est un programme qui était plutôt encourageant, on était tout à fait enthousiaste, mais malheureusement, en termes d'efficacité, il n'y a seulement que 10 greffes qui ont été effectuées sur 64 paires qui sont incluses jusqu'à présent, et le rendement est un petit peu décevant, puisque la plupart des équipes maintenant se mettent à faire des greffes ABO incompatibles dans leur centre. Alors, qui va donner dans notre cas clinique? Eh bien, il n'y a pas de bonne réponse. En fait, la décision, elle est à la fois médicale, ou plutôt la contre-indication est médicale, mais la décision n'est pas médicale. Elle est stratégique et collective, et elle doit se faire, j'allais dire, en réfléchissant aux bénéfices individuels et familiales pour donc l'intérêt de la famille et le futur de la prise en charge. Et je mets sociétal point d'exclamation parce qu'il y a quand même beaucoup de pression actuellement pour faire des greffes de donneurs vivants. Alors, le risque de récidive, non, il n'existe pas pour la polykystose autosomique dominante. Il n'y a pas de récidive sur greffe. Alors, deuxième maladie qui vous concerne pour la plupart de... Enfin, pour nombreux... pour vous qui êtes là, c'est le syndrome d'Alport. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de cette maladie qui sera largement débattue cet après-midi. C'est une néphropathie glomérulaire associée à une surdité de perception et des anomalies oculaires. Ce qui est important dans le syndrome d'Alport, c'est qu'il y a plusieurs modes de transmission. Le plus fréquent, enfin celui qu'on retient, c'est une transmission liée à l'X, dans 80 à 85% des cas. Mais on a aussi des transmissions autosomiques récessives concernant des mutations sur l'allèle paternel et l'allèle maternel du collagène A4, A3 et collagène A4. Enfin, collagène 4, la chaîne alpha 4 et collagène 4. Et on a également des transmissions autosomiques dominantes. Alors ça, c'est important dans la décision de retenir ou pas un donneur, puisque les risques ne sont pas forcément les mêmes pour le donneur. Alors jusqu'à présent, je vous rappelle toujours ce qui doit faire Bible. Pour nous, c'est les recommandations formalisées d'experts en 2009, où il était spécifié qu'une greffe de donneur vivant était contre-indiquée si le receveur était atteint d'un syndrome d'Alport lié à l'X lorsque le donneur a transmis la maladie. Pourquoi? Parce que les femmes qui transmettent une maladie ne sont pas à l'abri de développer une insuffisance rénale, voire une insuffisance rénale terminale, et on sait maintenant que les femmes ne sont pas du tout uniquement porteuses de la mutation, mais elles sont aussi affectées par la mutation avec des risques de développement de maladie. Alors, les questions relatives au don de rein par un donneur vivant apparenté, c'est le risque d'insuffisance rénale, donc non seulement pour les femmes qui ont une forme, donc qui sont porteuses d'une mutation liée à l'X, mais également pour les parents hétérozygotes dans les formes autosomiques récessives, même si l'évolution vers l'insuffisance rénale est moins sévère, il faut être très vigilant et on ne peut pas dire que les donneurs, quand ils n'auront qu'un seul rein, seront à l'abri de développer une insuffisance rénale. Nous n'avons pas de registre actuellement,
ni français ni international pour évaluer ce risque, mais on sait que les donneurs, indépendamment d'un don, ont un risque de développer une insuffisance rénale. Alors, chez le receveur, exceptionnellement, soit donneur vivant ou pas donneur vivant, il y a un risque, moins de 5%, on n'en voit plus d'ailleurs, de développer une néphropathie avec des anticorps développés contre la membrane basale glomérulaire, surtout pour les receveurs qui ont des délétions importantes dans la chaîne alpha 5 du collagène 4. On peut voir apparaître certains types de glomérulonéphrite après la greffe. Alors, il y a eu un débat, oui, ça date déjà, c'est un petit peu ancien, en 2009, pour savoir si on pouvait prendre en toute sécurité les reins de maman qui était porteuse de cette mutation. Et les recommandations actuellement sont relativement claires, à savoir qu'il y a une contre-indication en don si il y a une protéinurie, s'il y a un déficit auditif, s'il y a eu des antécédents d'hématurie, s'il y a une hypertension, si la fonction rénale diminuée, j'allais dire, c'est les mêmes règles que pour tout autre donneur. Une discussion à laquelle c'est une discussion, si l'âge du donneur est supérieur à 45 ans et complètement asymptomatique, mais on ne peut pas garantir que le donneur ne va pas développer une insuffisance rénale au-delà de 45 ans. Et le pronostic est un petit peu moins mauvais pour les formes autosomiques récessives. Mais dans ces cas-là, je pense qu'il est absolument indispensable de céder de la génétique pour retenir un donneur chez un receveur qui a un syndrome d'Alport. Dans tous les cas, le suivi des donneurs est absolument indispensable pour tous. Alors l'hyperoxalurie primitive, je n'ose pas en parler devant Pierre, donc c'est une maladie métabolique autosomique récessive. Les parents sont hétérozygotes, donc théoriquement, il n'y aurait pas de risque pour eux de développer une maladie sévère derrière, bien qu'on retrouve une activité enzymatique diminuée chez les parents qui sont hétérozygotes. Actuellement, dans l'hyperoxalurie primitive, la stratégie recommandée, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est plutôt plus souvent une greffe de foie rein, soit simultanée, soit séquentielle. Et bien sûr, pas de greffe de rein isolée, certainement pas de donneur vivant, qui a un risque important de récidive sur le greffon. Donc dans les recommandations de l'Agence de biomédecine, il était contre-indiqué de prendre un donneur vivant en cas d'hyperoxalurie primitive. Alors, stratégie de transplantation, moi je m'occupe essentiellement de greffes chez les adultes. Donc c'est essentiellement des patients qui ont une filtration qui est déjà bien diminuée, entre 20 et 40 minutes, voire des patients qui sont en dialyse. Et dans ces cas-là, la stratégie est de faire une greffe de foie rein. Et quand les patients sont déjà en dialyse, c'est-à-dire qu'il y a un stock d'oxalate très important, il est préférable de faire d'abord une greffe de foie, d'épurer au maximum le stock d'oxalate et proposer une greffe de rein secondairement. Dans certains cas, si la fonction n'est pas pas trop altérée, on peut proposer de faire une greffe de foie d'abord, puis une greffe de rein. Enfin, une greffe de foie, puis simultanément une greffe de rein. Alors, quelle est la place du donneur vivant dans cette stratégie ? Eh bien, ceci a été analysé donc, par essentiellement les transplanteurs hépatiques qui ont relevé donc, plusieurs stratégies. Et en cas de donneur vivant, donc, il y a eu des greffes séquentielles qui ont été faites, soit à partir du même donneur, donc, qui a donné son foie, puis secondairement son rein, soit à partir des deux parents, différentiellement, qui ont donné l'un le foie, puis le rein. Mais à Lyon, je vous rassure, enfin, je ne sais pas si je peux vous rassurer, mais ce n'est pas une stratégie qu'on a retenue. Syndrome hémolytique et rémique atypique, donc là aussi des recommandations qui sont assez drastiques de la part de l'Agence de biomédecine. Pas de greffe de donneur vivant, enfin non souhaitable, si le receveur est porteur d'une mutation d'un gène codant pour une protéine, une mutation du facteur H ou du facteur C3 ou du facteur B ou du facteur I, qui sont des mutations associées à une récidive de la maladie sur le greffon. Donc la stratégie, donc vous regardez uniquement la partie droite de la diapositive qui concerne donc la stratégie vis-à-vis du donneur vivant. Si le donneur n'est pas apparenté et si on a une mutation qui associe un faible risque de récidive, on peut accepter un risque, de prendre un rein de donneur vivant non apparenté, en étant bien sûr sûr que le donneur n'est pas porteur de la mutation, mais ce qui est relativement rare s'il n'y a pas de souci. Ceci dit, c'est une greffe qui sera faite avec sous couvert d'éculizumab, avec un traitement prophylactique qui a complètement révolutionné
le pronostic et le risque de récidive après transplantation rénale. Si on a un donneur vivant apparenté, il faut donc bien sûr s'assurer que le donneur n'est pas porteur de la même mutation que le receveur, n'est pas porteur du tout de mutation associée à un risque de syndrome hémolytique et urémique. Et si le donneur a un risque élevé de récidive, eh bien, il est préférable de ne pas prendre un donneur vivant, même si le donneur n'a pas cette maladie, enfin cette mutation. Donc la transplantation dans ce cadre-là à partir de donneurs vivants, il existe un risque pour le donneur apparenté de SHU après néphrectomie, parce que même si on fait des tests génétiques, on n'est pas sûr d'avoir balayé, enfin, recherché toutes les mutations. Risque de perte du greffon par récidive de SHU selon la mutation, donc si une mutation du facteur H ou du facteur B ou C3, les risques sont très importants. Donc ça reste déconseillé, et dans certains cas, si vraiment on a un problème d'accès d'abord vasculaire, on peut discuter, mais avec une information extrêmement poussée, en sachant qu'il y a risque de récidive, et en sachant que le donneur doit être suivi bien sûr toute sa vie, et ce sera bien sûr sous couvert d'éculizumab. Donc si le donneur vivant n'est pas apparenté, là les options sont un peu plus larges, mais je veux dire prudence, bien qu'une un article soit paru d'une équipe hollandaise qui rapporte 17 greffes de donneurs vivants à partir de donneurs vivants effectués pour des SHU. La plupart, les 14, étaient non apparentés, sans récidive chez ces patients, mais on peut dire prudence dans ce cadre-là. Alors, le syndrome néphrotique cortico-résistant, c'est un peu, donc, chez l'adulte, il reste encore une discussion pour savoir qui doit être testé sur le plan moléculaire lorsqu'on a un syndrome néphrotique cortico-résistant en 2017. Jusqu'à présent, donc, si on a un début dans l'enfance, les formes qui ne sont pas immunes, qui ne sont pas sensibles, enfin qui n'ont pas de réponse au traitement immunosuppresseur, aux corticoïdes, doivent être testées. Pas d'intérêt pour celles qui ont une rémission sous traitement immunosuppresseur. Pas d'intérêt pour celles qui récidivent après transplantation rénale. Théoriquement, les celles associées à des mutations ne vont pas récidiver. Et le début à l'âge adulte, pour les patients qui ont un début de syndrome néphrotique cortico-résistant à l'âge adulte, les formes familiales, oui, il faut faire un test génétique. Et les cas sporadiques, pour des raisons qu'on pourra développer tout à l'heure, il semble qu'au-delà de 30 ans, le rendement, enfin disons le rendement pour la découverte d'une mutation comme cause ou comme association un syndrome néphrotique cortico-résistant soit suffisamment rare pour qu'on ne le propose pas systématiquement. Mais en cas de proposition de donneur vivant, on le fait pour être sûr qu'il n'y a pas de forme familiale qui puisse être transmise. Alors, tout est en train d'exploser, puisque à la place de l'utilisation d'un panel de gènes orienté sur les mutations qui sont les plus fréquentes dans les syndromes néphrotiques cortico-résistants, on utilise maintenant de plus en plus, Pierre l'a dit, donc des tests, techniques d'exome de génome pour tous, qui vont nous amener à découvrir des variations dont on ne connaît pas forcément la signification clinique. Et on risque également de découvrir des mutations fortuites non associées à une maladie rénale pour lesquelles il faudra informer éventuellement le donneur. Alors, les mutations, il y a des mutations associées aux protéines podocytaires, des mutations associées à des formes autosomiques dominantes familiales, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, simplement il y a beaucoup de mutations qui étaient associées à d'autres maladies génétiques, et en particulier COL4A3A4, qui sont donc associées au syndrome d'Alport, qu'on retrouve comme très fréquemment responsable de syndrome de hyalinosédimentaire torcal cortico-résistant familial, 10 à 15% des familles. Donc c'est important, je veux dire, de savoir maintenant proposer la recherche de mutations lorsqu'on a un projet de donneur vivant dans ce contexte-là. Les autres recommandations du comité de donneur vivant, lorsqu'on a une récidive de hyalinosédimentaire et focale, une récidive de gloméronéphrite membrane proliférative, il est fortement déconseillé de proposer pour une deuxième greffe un donneur vivant, puisqu'on aura plus de risques de récidive lors de la retransplantation.
Alors, est-ce que c'est un intérêt pour le receveur de faire ce diagnostic moléculaire dans la perspective d'une greffe? Oui, c'est important parce que cela va éviter un traitement immunosuppresseur intensif après la greffe, puisque classiquement, ces ganglions cémentaires et focales associés à des mutations ne vont pas, ce n'est pas celles qui vont récidiver après transplantation, donc ce n'est pas celles qui vont forcément nécessiter un traitement par cyclosporine de façon intensive après la transplantation. Et c'est surtout rassurer sur le risque de récidive après transplantation, vérifier que le donneur potentiel apparenté n'est pas porteur de cette maladie, enfin cette mutation, et accepter donc du coup le don d'un rein non apparenté. Alors pour conclure, la décision globalement d'accepter un don du vivant dans le cadre d'une maladie rénale génétique dépend du type de transmission et du risque de récidive. Donc, le type de transmission, si la maladie est récessive, autosomique, les parents sont hétérozygotes, il y a relativement peu de risques de développer la maladie ultérieurement, bien qu'il faut être prudent puisqu'on n'a pas un suivi exhaustif de tous les donneurs. Sauf pour le syndrome d'Alport autosomique récessif, vous avez vu que les patients ne sont pas indemnes de la maladie, mais il faudra suivre de façon très prolongée les donneurs. Pour la maladie autosomique dominante, le problème c'est la révélation tardive. Si un patient veut donner, notamment au sein de la fratrie, et un patient jeune de moins de 40 ans, il faudra s'assurer, si on n'a pas de kyste, qu'il n'est pas porteur de la mutation. Pour les maladies héréditaires liées à X, on a parlé pour la maladie d'Alport. On a également pour la maladie de Fabry, les femmes qui transmettent cette mutation ne sont pas à l'abri de développer la maladie. Et enfin, donc, le risque de récidive est extrêmement important pour l'hyperoxalurie primitive et le syndrome hémolytique et uremique. Alors, la recherche d'une maladie génétique dans l'intérêt du receveur, oui, pour déjà mettre un nom sur une maladie. Et parfois, nous, on fait le diagnostic d'une maladie rénale génétique au moment du bilan de pré-transplantation, lorsqu'on fait l'enquête pour rechercher un donneur vivant. Donc, c'est important de rechercher des anomalies cliniques à la recherche d'un syndrome, un syndrome. Et rechercher, donc interroger sur les possibles atteintes rénales chez tous les membres de la famille. Donc il faut tester, il peut être important de tester un apparenté qui souhaite donner un rein de son vivant qui ne présente pas encore la maladie, puisqu'on a une maladie à révélation tardive. Et également, un autre point important, c'est les receveurs qui ont une néphropathie indéterminée. Ceci constitue environ 18 à 20% des causes de maladies, enfin d'insuffisance rénale chronique terminale dans le registre rein donc en France. Et on estime, une étude a été faite récemment en screenant donc, les patients, et il a été montré qu'environ 10% de ces 18 à 20% étaient porteurs de variants génétiques. On ne pouvait pas exclure de maladies rénales génétiques chez ces patients qui avaient une néphropathie causale indéterminée. Et j'ai fini bientôt. Donc la dernière diapo, ça tombe bien, c'était bien limité. Donc le suivi du donneur, c'est extrêmement important et encore plus important dans le cadre de maladies rénales génétiques. Les recommandations, c'est que le donneur soit suivi pendant la première année post-néphrectomie, mais c'est pas suffisant. Personnellement, je vois les donneurs à 3 mois, 6 mois, 1 an, donc un peu plus que ce qui est recommandé, mais surtout, il s'agit d'un accompagnement, je veux dire, surtout au troisième mois où donner un rein n'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de mécanique. Et il faut suivre les patients, bien sûr, vis-à-vis de leur risque d'insuffisance rénale et tout au long de la vie. Donc je vous rappelle qu'il y a un registre des donneurs, malheureusement ce registre n'est pas exhaustif et qu'on doit y porter une attention extrêmement minutieuse pour pouvoir alimenter cette base et savoir, notamment pour les maladies récessives dont je vous ai parlé, on n'est pas sûr que les donneurs qui ont donné avoir donné un rein ne soient pas à risque majoré d'insuffisance rénale. Voilà, je voulais donc terminer en disant oui, les donneurs ne regrettent pas d'avoir donné, mais n'oubliez pas que nous n'avons plus qu'un seul rein. Merci. Non mais il marche très bien celui-là. C'est trop d'accord. Merci beaucoup Claire pour cet exposé très complet, donc qui répond sûrement à beaucoup des questions que vous posiez. Néanmoins, s'il restait une question résiduelle, une ou deux questions résiduelles
pour lesquelles vous voudriez avoir des réponses, posez-les maintenant. Nous pouvons prendre quelques petites minutes pour demander à Claire de répondre à vos questions. Et bonjour. Donc, je vais se poser sur les, essentiellement sur les donneurs apparentés, mais les donneurs non apparentés. Leur suivi. Pareil, c'est la même chose. Je pense qu'il y a, bon, je n'ai pas trop m'apesantir, mais il y a quand même un risque d'insuffisance rénale. Donc, ça dépend de la, l'exigence que l'on a à sélectionner les donneurs en termes de niveau de fonction rénale, de filtration glomérulaire avant. Et de toute façon, les donneurs doivent être suivis annuellement, apparentés ou non apparentés. Et je crois que c'est important, on les voit beaucoup les premières années, les deux premières années, et après il y a un échappement vis-à-vis de ce suivi, pourvu qu'il soit fait par le médecin traitant et qu'on ait l'information d'une créatinémie, d'une pression artérielle, d'une l'existence ou pas d'une protéinurie. C'est important pour le registre. Je veux dire, quand on dit qu'il y a un risque relatif multiplié par 7 d'insuffisance rénale, c'est à 15 ans et au cours de la vie, c'est pas dans les 3 années. Donc oui, c'est important, c'est un rein, enfin les donneurs ont un rein unique, donc c'est important qu'ils soient suivis régulièrement.